Bonsoir, les informations pour ce lundi 11 septembre. Des agents de police engagés dans la lutte anti-drogue ainsi que d'autres activités illicites venant de quatre pays de la région, y compris les Seychelles, renforcent leurs compétences dans l'exercice de leurs responsabilités. Cela à travers une formation avancée conduite par la brigade des stupéfiants DEA des États-Unis à l'hôtel Edenbleu cette semaine. La formation a été lancée par le ministre des Affaires internes, Errol Fonseca, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de la police et des partenaires de la lutte anti-drogue venus des pays participants, ainsi que du sous-secrétaire adjoint du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et l'application des lois des États-Unis, Tobin Bradley. Le commissaire de police, Ted Barbey, a déclaré que c'est un privilège pour notre pays d'abriter cette formation. Le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Fonds Ferdinand et la Vallée de Mai, ont remporté les Travelers' Choice Awards TripAdvisor 2023 sur la base des avis des voyageurs 2022. La Vallée de Mai a également reçu le prix Choix des experts 2023, basé sur plus d'un million de critiques de guides de voyage, de magazines et de journaux. Avec des critiques positives, la Vallée de Mai est maintenant présentée sur TripExpert.com comme l'une des meilleures attractions des Seychelles. C'est la première fois que Fonds Ferdinand reçoit un prix de TripAdvisor. La semaine de la sécurité 2023 des aéroports africains a démarré aujourd'hui avec un symposium organisé par l'Autorité de l'aviation civile, SIAE, afin de discuter sur la culture des entreprises et leur conformité avec la sécurité aéroportuaire. L'Autorité de l'aviation civile, SIAE, a réuni les entreprises appartenant aux opérations aéroportuaires dans un symposium qui ouvre les activités pour la célébration de la semaine de la sécurité des aéroports africains. L'interaction pendant ce symposium s'est concentrée sur les expériences de ces sociétés, dont Air Seychelles, Zil Air et IDC, au sujet de la performance de leurs entreprises respectives en matière de sécurité. La semaine de la sécurité des aéroports africains est organisée tous les ans pendant le mois de septembre et le thème de l'année est Security is our priority, let us prove it. La sécurité est notre priorité, prouvons-le. En ouvrant ce symposium, le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile, Gary Albert, a déclaré que cette année est encore une autre année de célébration parce qu'il a été encore prouvé que la sécurité est garantie sur notre aéroport. Il a insisté sur un travail toujours concerté pour offrir un meilleur service. En marge du sommet africain du climat qui s'est tenu récemment à Nairobi, au Kenya, le ministre chargé du changement climatique et de l'environnement, Flavien Joubert, et la directrice générale de la CECAT, Marimée Jérémie, ont été invités sur le plateau de la télévision kényane, la KBC. Ils ont parlé des progrès des Seychelles dans la conservation de l'espace marin, des herbes marines ainsi que des mangliers. Les Seychelles sont parmi les pays de tête dans la conservation de ces espèces. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable. À plus.